J'aime bien sa qualité de cheveux. Ouais. Elle a une belle qualité de cheveux. Je sens que tu peux bien tirer dessus. Putain! Nathania. Nathania est plus belle, mais Maëva a plus de charme. Nathania est belle, ouais, c'est vrai. Après, c'est dur. Nathania est très belle, Maëva, voilà, du charme de fou. C'est différent en fait, c'est deux types différents. Tu dirais Nathania toi? Elle est plus belle maintenant Maëva, elle a plus de charme que ça. Oh, elle est belle maintenant Maëva, ouais. Je sais pas, j'hésite pas. Ouais, oh, les deux, franchement, c'est toutes les deux. Laura. Je dirais ouais Laura. Je trouve qu'elle est typée, elle est bien. Elle est latina, enfin, moi je suis sud-américain aussi, j'aime bien les latinas, tout ça. Je trouve qu'elles sont belles avec le teint, tout ça et tout, moi, pareil pense, comme les. Je pense les... qu'elle est plus grande, elle est plus imposante. Ouais, elle est plus grande aussi, ouais, elle est plus grande. Ouais, ouais. Non, Laura, je dirais. Manon et Dita. Mais Manon, c'est dur, mariée, elle est mariée. Comment tout ça, tu comprends c'est ça, comme le truc. Une meuf mariée c'est... Je peux pas, ouais, c'est ça. Moi, je dirais les deux sont. Les deux sont belles, elles sont différentes, toi. C'est deux caractères différents, mais très belles, les deux. Jessica et Mila. Jessica qui Tivna. Ah, Tivna, Mila. Mila, de loin. Moi, Mila, c'est une des plus belles femmes. Ouais, pour moi, Mila, c'est une des plus belles femmes aussi, ouais. Et moi, je l'ai vue sans maquillage, il n'y a pas beaucoup de différence. Ouais, il n'y a pas beaucoup de différence. Elle me saoule pour que je mette des filtres H24 sur ouais, ça, ouais, elle alors qu'elle pas est très bien. Alors qu'elle est très bien, sans maquillage. Alix. Alix, je pense que c'est une des plus belles filles de télé-réalité. Alix est belle, ouais, c'est vrai. Pote, hein. Les deux, franchement, elles sont franchement, bien. C'est après, moi, je me fie trop à la personnalité et tout, tu vois. Moi, je dirais les deux. Les deux, sont là, c'est deux types différents. Moi, je trouve qu'il y a le caractère de Alix qui est vraiment son caractère, voilà, boum, ça impose. Et Anissa, je sais pas, c'est un côté différent, c'est métis, c'est. Voilà, c'est différent. Les deux sont bien. Catalia. Ah, Catalia. Ah là, tu m'as posé une colle. Catalia, j'aime bien aller. Alors, moi, je vais te dire la vérité, Mélanie, c'est le genre de fille que je kiffe. Mais vraiment. Ah ouais? Ah ouais, gros. Même ma mère et toi, je vois qu'ils m'ont montré des genres de filles, genre dans les films et tout. C'est des filles qui ressemblent un peu à Mélanie, tu vois. Un peu comme ça, tu vois, bronzée et tout. Et Catalia, c'est aussi mon genre de fille. Ah, celle-là, c'est dur, là. Mais ouais, j'aurais un petit crush pour Mélanie. Mais ouais, je dirais les deux, elles sont très très bien. Niveau. Je dirais. C'est qui, Julia, je trouve qu'elle est belle. Ah ouais? Bon, moi, je suis l'avis de mon ami alors, Julia. Elle est plus belle, Julia. C'est un canon. Julia, c'est vraiment, pour moi, elle est canon, quoi. Iona, pour moi, elle est belle, elle a son truc, mais un peu garçon manqué, tu vois. Ouais. Bon, moi, je dirais Camille. Malheureusement, mais ouais, Camille. Je veux dire Camille, parce qu'il arrive, franchement. Elle est pas super belle physiquement. Je suis tombé amoureux parce que j'étais un puceau de la télé et quand je l'ai vu, je suis tombé amoureux de ma princesse et je pense que... Je pense que c'est ça. Non mais franchement... Mon petit puceau, t'es tombé amoureux d'Hilary comme ça. C'est la première émission, je tombe amoureux d'elle comme un bouffon, mais au final, regarde. Oh. Elle est pas si belle que ça en fait, Hilary, pas te mentir. Mon petit puceau. Léana. Bien sûr. Léana. Belle forme. Léana, je pense qu'elle a de belles formes. Elle a des belles formes et tout. Et après, ça représente, attention, hein, elle a sa beauté pour d'autres personnes, en fait. Il y a des, en fait, moi, je dis chacun sa beauté, chacun son envie, en fait. Il y a des gens pour qui Sarah Fraisseau, ça va être le type, le type parfait. Et Léana, en fait, ça va être plus mon type. Voilà, mais Sarah Fraisseau, je pense qu'elle plaît à beaucoup de gens aussi. Faut se méfier, en fait. Maëva Martinez, plus sexy. Inès ? Ouais, Maëva Martinez. Inès, moi je trouve que c'est bien. Après, moi c'est mon style, mais elle est plus gentille, elle est plus. Je trouve que Inès, ouais, elle est plus. Elle est plus fine que Maëva. Je pense que moi, voilà, j'aime bien les formes aussi. Même si Inès, c'est une très belle fille, hein. Attention, hein. Mais oui, je dirais Maëva Martinez. Cynthia. Non, mais carrément, frérot. Ah là, c'est ton ex, je vais te dire qu'elle est belle. Ah là, tu
m'as fait péter un câble, je te jure, gros. Frère, je trouve Cynthia plus belle que Fidji, désolé. Tu trouves? Bah oui. Faut que tu sois objectif. La maman, je suis pas objectif, il se dit Fidji, voilà. Parce que j'aime plus Cynthia. Il y a la haine contre elle. Classe. Et Fidji, elle est un peu courte. Non, ça y est. Martika, mais elle est enceinte, donc du coup je vais respecter, je vais le dire à Stéphanie, mais en vrai c'est Martika, parce que Martika, je la trouve plus... J'aime bien sa qualité de cheveux. Elle a une belle qualité de cheveux. Tu sens que tu peux bien tirer dessus. Putain! Ah oui, donc en fait, toi tu dis, attends, elle est enceinte, mais en fait, tu peux bien tirer dessus. Ah oui, en toi, c'est la totale, en fait. Je trouve que ses cheveux sont de bonne qualité et que c'est attirant. Moi, je connais ni l'une ni l'autre, alors je sais pas. Maddy. Maddy. Maddy, elle a un sex appeal. Maddy, ou elle a un petit truc, je l'ai jamais rencontré. Ah oui, je l'ai croisé un jour. Coralie, je trouve c'est cool, mais après, je sais pas. Je trouve qu'elle a un beau visage, mais après le reste, ça suit pas trop, je sais pas. Après, je pense que Maddy, c'est mieux en fait, je sais pas pourquoi. Je pense qu'elle est plus belle, Maddy, tout simplement. Moi, je dirais la top one pour moi, c'est. Bon, je sais qu'elle est en couple, mais bon, on parle de beauté, de toute façon, y'a rien. Je dirais Mélanie, Teddy Gama, ouais, voilà. Moi, je dirais Mélanie, Teddy Gama. Franchement, la number one, je mettrais Mila, même si c'est ma pote. Ouais, je dirais le top 3, c'est. Ouais, Mila et Mélanie. C'est bizarre parce que moi, les filles que je trouve les plus belles dans la télé, c'est mes copines. Laura, ça se joue entre tout ça.